chante. Non, c'est pas cette chanson. Ça, c'est un peu.
Accorde, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, l'esprit de supplication. Accorde à ton peuple, Seigneur, l'esprit de grâce. Accorde, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, cette esprit. Père, sans ton esprit. Sans ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons pas nous aimer. Seigneur. Sans cet esprit, il aura toujours accès à nos cœurs. Père, accorde-nous l'esprit de soumission. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous l'esprit de grâce. Oh Seigneur, accorde-nous. Pour que nous puissions, Seigneur, nous repartir et nous détourner, Seigneur, de nos mauvaises voies. Seigneur, accorde-nous, Seigneur. Oh Seigneur, accorde-nous. Oh Père, accorde-nous. Nos cœurs sont remplis, Seigneur, de méchanceté. Nous ne parvenons pas, Seigneur, à nous détacher. Oh Père, nous sommes conscients de cet état, mais nous ne parvenons pas, Seigneur, à nous détacher. Accorde-nous, Seigneur, le Seigneur. Accorde-nous le nom de grâce. Oh Seigneur, nous en avons besoin. Ton peuple, Seigneur, oh Père, vis après toi. Accorde, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, cette foule. Accorde, Seigneur, les yeux, Seigneur, accorde à l'Église, Père. Partout dans le monde entier, accorde, Père. Seigneur, l'Église en a besoin. L'Église a besoin de l'esprit de grâce, Père. Nous avions compris, Seigneur, tu avais ta parole. Quand cet esprit descend, oh Père, les cœurs ne demeurent plus intacts. Les cœurs ne demeurent plus dans les mêmes conditions. Les yeux s'ouvrent afin qu'on regarde, qu'on voit de près la pourriture dans laquelle nous nous trouvons. Sans cet esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas mieux apprécier. Seigneur, accorde, Seigneur, à l'Église. Accorde à l'Église, Seigneur. Accorde à l'Église, Seigneur. Accorde à l'Église, Seigneur. Accorde à l'Église. Oh Père, nous en avons besoin. Seigneur, accorde. Accorde, Seigneur. Nos regards sont tournés à toi. Ne ferme pas tes oreilles, Seigneur, au cri de ton peuple. Seigneur. Seigneur, tu es au Cameroun. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Père, purifie-nous de toute œuvre de ténèbres. Purifie-nous, Père de gloire, de toute œuvre de ténèbres. Toute œuvre de ténèbres, cachée ou manifeste, et donne-nous de nous séparer véritablement. Les 20 manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. La complaisance avec le monde. Le cœur qui glisse facilement dans le péché. L'amour du monde et les attraits de ce monde. La séduction du siècle présent. La nonchalance et la lâcheté dans nos cœurs. Purifie-nous de toutes ces œuvres, Père.
Oh, oh, tendre Père, merci. Merci, Père de gloire. Parce que tu ne peux pas dédier les cris de ton peuple. Merci, Père de gloire, pour ce que tu fais. Merci pour ton programme sur nous. Merci pour ton programme pour nous. Merci pour ton programme avec nous. Merci pour ton programme en nous. Dites merci au Sauveur. Dites merci au Sauveur. Dites merci à notre Sauveur. Dites merci à notre Sauveur. Merci à celui-là qui est mort et ressuscité pour nous. Dites-lui merci. Parce qu'il écoute la voix de nos cris. Alléluia. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour sa grâce, pour sa bonté. Merci pour sa magnificence. Merci pour son amour. Que l'honneur et la gloire lui reviennent d'éternité en éternité. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence en disant à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. En disant à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Dis à quelqu'un qu'il entend nos cris. Dis-lui qu'il entend nos cris. Il entend nos cris. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Dis je t'aime dans le nom du Seigneur Jésus. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Continue, continue. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Dis bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore 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 bienvenue dans sa sainte présence. Il y a quelqu'un, tu es sous son regard. Rien ne lui échappe. Même si tu as des problèmes. Même si tu as des difficultés. C'est sous son contrôle. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un, si tu l'aimes, tu lui dis que je t'aime. Si tu ne l'aimes pas, dis-lui, je ne t'aime pas, qui est à côté de moi. Si tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. C'est moi qui t'aime. Si tu n'aimes pas quelqu'un, dis-lui qui est à côté de moi. Je ne t'aime pas au nom de Jésus. Alors donc ça veut dire que vous tous vous aimez. Je suis content de te voir. Allons-y. Je suis content de te voir aujourd'hui. Content, content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Moi, c'est que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Notre sœur de la Guadeloupe, c'est son anniversaire aujourd'hui. Allez, allons-y. Si vous ne l'aimez pas, dites-lui que vous ne l'aimez pas. Et si vous l'aimez, alors priez pour elle alors. Viens t'asseoir ici.
priait pour son pays parce que quand elle va arriver dans son pays, il y aura des cataclysmes dans son pays, des problèmes dans son pays. Prions que Dieu veille sur son pays également. Prions pour son pays. Donc, il y a des vents terribles avec des inondations à Guadeloupe. Ben, nous prions pour la Guadeloupe. Protège tes enfants, Seigneur, contre ces vents violents, Père, que l'ennemi amène sur le pays, sur le territoire. Prions au Dieu de gloire que tu veilles. Que tu veilles, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Parce que le vent là qui va tourner dans la mer, ça va sortir de la mer pour entrer dans leur territoire. Ça, l'autre aussi, c'est l'ennemi, c'est pas le vent de punition de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez sûr que je ne devais pas venir, non? Non. Vous étiez sûr que comme c'est déjà tard, comme ça, il ne viendrait pas? Non. Mmh. Nous allons amorcer la dernière partie concernant le cœur aujourd'hui. Et puis, dès demain, plaise au Seigneur, nous allons maintenant commencer à identifier les œuvres des ténèbres. À identifier les œuvres des ténèbres. Souvenez-vous, c'est que ce mois-ci, c'est dans quoi nous allons travailler. La direction que le Seigneur a donnée, d'accord? Donc, nous allons amorcer avec le cœur aujourd'hui. Nous allons terminer avec le cœur aujourd'hui. Et demain, nous allons amorcer donc avec cela. Et deux ou trois jours après, nous allons entrer en profondeur maintenant dans la prière de repentance, proprement dit. D'accord? Parce que sachez, vous savez qu'on aura trois jours où on va stopper pour travailler avec les conducteurs seulement. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez. Ça veut dire à la maison, vous continuez à travailler dans ce même sens-là. D'accord? Le temps qu'on travaille avec eux, ils sont là, secoués un peu. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a-t-il des témoignages, des visions? On a passé d'excellents moments hier, n'est-ce pas? Viens, viens. Viens ici. Pendant que tu témoignes, tu regardes les deux là. Hein. Je rends grâce, infiniment grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je rends infiniment grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il a continué de faire. En fait, hier, quand on était ici, c'est vrai que ça avait déjà commencé la semaine passée, mais hier, je peux dire que le Seigneur a encore amorcé un autre temps avec moi. Parce que j'avais ce problème de colère. J'avais un problème de colère et ça m'a beaucoup détruit en fait. Donc, j'étais très sensible. Il suffisait juste que, même par un regard ou bien une façon de parler, je me fâche comme ça et ça créait beaucoup de blessures dans mon cœur. Et donc, chaque fois, quand cela m'arrivait, et je me fâchais comme ça, je disais des choses qu'il ne fallait pas. Je me mettais à pleurer, je demandais au Seigneur que je ne veux plus que ce soit comme ça dans ma vie. Chaque fois. Et puis quand je prenais des résolutions, je dis que non, si quelqu'un me fait quelque chose, je ne dois pas riposter. Après, je me retrouvais toujours en train de tomber. Et chaque fois quand je tombais, je pleurais et disais, mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne veux plus cette vie. Je ne parviens pas à m'en détacher, mais il ne faisait que me dire persévère chaque fois. Il dit que mais je vais persévérer comment? Étant dans ceci, je vais persévérer comment? Il me dit seulement continue, persévère. Chaque fois, c'était pareil. Quand il y avait des moments où je rentrais même de l'assemblée comme ça, il suffit juste que mon mari fasse un petit truc. Puis je m'emporte comme ça. Je me fâche. Et quand je me fâchais, c'était vraiment. Je sentais une grande pression au niveau du cœur. Et il y avait des moments où je me mettais à respirer très fortement. Ce n'est pas la grâce du Seigneur même que je n'ai pas eu l'asthme ou bien l'hypertension parce que c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Donc chaque fois, je cessais d'implorer la miséricorde du Seigneur que je ne veux plus de ça dans ma vie, que ça me fait du mal et je prends des résolutions, mais je n'y arrive pas. Et puis il me disait persévère. Et donc du coup, la semaine passée, vers la fin de la semaine passée, mon mari et moi s'est disputé à la maison. Et ce jour, je me suis vraiment mise en colère. J'ai ramassé. C'était ma première fois. J'ai ramassé mon levier, j'ai cassé au sol. Parce que j'étais vraiment fâchée. Et puis, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier pour moi. Et je me suis calmée.
Après, je suis allée me coucher, lui aussi, il allait se coucher. Le lendemain matin, maintenant, quand on s'est réveillé, il m'a demandé comment j'ai dormi. Je lui ai dit que moi, je ne sais pas. Que tout ce que je ne veux plus vivre cette vie. Et puis, il me dit que le Seigneur lui a dit qu'il m'a restauré. Donc, quand il me dit ça, je n'étais pas trop. Il dit que, bon, ce que moi j'ai dit dans mon cœur, c'est que ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Que donc, moi, je veux pouvoir expérimenter ça. Ce n'est pas la première fois. Et donc, après ça, ce jour-là même, quand on s'est réveillé, je lui disais que moi, je ne veux même plus aller en assemblée parce que c'est comme si quand moi, je vais en assemblée, je deviens seulement pire. Quand moi, j'écoute les témoignages, comment les gens disent que le Seigneur a fait ci, ça dans leur vie, moi, c'est comme si mon pas, c'est seulement, ça devient seulement pire. Et puis, il m'a encouragé. Le jour-là même, dans la journée, il a fait quelque chose. Mais je me suis... Ça m'a surpris que je ne me suis pas mise. J'ai voulu me mettre en colère. L'ennemi a voulu dire que... A voulu que me mette en colère. Il me dit, tu laisses. Et puis, moi, ce que j'ai dit dans mon cœur, c'est que le Seigneur a dit qu'il m'a restauré. Et je maintiens à cette parole-là. Ce que j'ai dit. Hier, également, quand on devait venir, je lui ai demandé de s'apprêter. Il a tourné, parce que... Moi, je n'aime pas le retard. Donc, il a tourné. C'est vers 16 heures comme ça qu'il se lève. Il part pour s'apprêter. Et puis, l'ennemi dit que il faut lui parler. Comment il fait les choses comme ça et tout, je ne vois pas. J'ai mis la musique, j'ai commencé à écouter. J'ai chanté. Après, on est sorti, on est parti. Et puis, quand on était en train de marcher, j'ai senti comment il y avait un apaisement dans mon cœur. Maintenant, quand on est arrivé ici hier, quand on a commencé à prier, je lui disais, puisque je sentais déjà ce qu'il avait commencé à faire, et je sentais que l'ennemi voulait encore me ramener en arrière. Je disais que je ne veux plus rentrer en arrière. Et puis c'est comme ça qu'à un moment, quand on était en train de prier, quand le serviteur du Seigneur est venu à côté de moi, j'ai senti vraiment la présence du Seigneur, puis je suis tombée. Quand je suis tombée, j'ai senti comment on était en train de faire une chirurgie dans mon cœur. Moi-même, j'ai posé la main comme si on massait le cœur et tout. Comme ça que je sentais comment la colère commençait à diminuer dans mon cœur. La colère commençait à diminuer. Et puis le Seigneur me dit, il a rabaissé les montagnes qui étaient dans ma vie et qu'il a brisé le rocher, qu'il a confondu mes ennemis. Amen. Et... continuer à marcher et de ne pas regarder en arrière, de ne pas avoir peur que je vais retourner, que je vais retomber dans ces choses. Donc je lui rends vraiment grâce, je lui dis merci parce que c'est quelque chose. Depuis quand j'ai connu le Seigneur, je ne faisais que soupirer. En fait, ça, c'est quelque chose d'héréditaire chez nous, si on peut le dire là. Donc vous avez une famille de... Famille de... Colérique, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'héréditaire, donc, et ma mère, elle a la plus colérique. Donc elle est la doyenne de la colère. La reine des mères, colère. Quand elle se mettait souvent en colère, je me rappelle quand elle était petite, elle aimait souvent m'insulter et elle me disait souvent un mot qui a beaucoup joué sur moi. Elle me disait souvent « vaut rien » et ça me fendait le cœur, ça me blessait beaucoup. Donc du coup, ça fait en sorte que moi, je me considérais comme « vaut rien ». Donc je savais que je ne peux pas... Comment avancer et tout. Mais en Jésus, tu vois maintenant que tu es lumière, n'est-ce pas? Amen. Applaudissons pour notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Dis à ton voisin, témoigne. Tu es là. Tu ajoutes quoi ce soir? Tu ajoutes cette boisson. Il va ajouter quoi sur la boisson? Wanda, c'est mon soeur. C'est 5 fourmis. Ah. Qui veut témoigner? Viens, mon cher, viens. Hé, hey, Josué, apporte tout ça sur Josué. Qui a vu Josué ici hier? Shalom, peuple de Dieu. Je ne saurais comment dire. C'est tellement cet amour que j'ai eu hier. Franchement, ouf, Seigneur Jésus. Seigneur m'a visité hier et je me suis senti jusqu'à présent cette journée
J'étais toujours en train de marcher l'est. Tu es à l'aise, léger. À l'aise, comme si je pouvais passer auprès de quelqu'un comme ça, comme s'il n'avait pas eu. Mais je marche simplement parce que je suis l'est et à l'aise. Quand l'homme de Dieu est passé là, hier, j'étais déjà dans une transpiration de chaleur pas possible. Pas deux, trois fois, il se tient, il revient devant. Quand le Seigneur a permis de déclencher la chose, je ne saurais comment, c'est vous qui avez vraiment... Il faut bien raconter, déclencher ça parce comment que, après, je vais te dire ce qui s'est passé. Merci Seigneur. Quand le frère m'a touché, et j'ai entendu une voix, si est-ce que tu es prêt de t'envoler. Quelque chose est sorti en moi là directement, déclenché. Oui, oui Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'étais pas là, tu as raté, il faut toujours venir. Je me suis senti. Le goût de ça, tu ne peux pas sentir. Dans une bouteille, que cette bouteille a explosé hier. Bouah! Alors, quand je lui disais ici tout à l'heure, je ne saurais comment vous dire, mais je remercie depuis cette journée d'hier, je ne fais que rendre grâce au Seigneur. Et même pour ce qu'il a fait pour mon épouse, c'était comme une coïncidence. Ah, ta femme aussi, elle est où? Si, c'est quand elle tombe sur moi que je ressens la présence de ma côte. À côté de toi. Dis-lui, prépare-toi à témoigner, d'accord? Elle doit témoigner, voilà. Elle va sauf que témoigner. Elle l'a conduite. Parce que j'ai suivi l'esprit, il a dit, tu me fuis. Tu m'as fui, tu es arrivé. À la maison, avant qu'on arrive, le témoignage, ça a dit avant d'arriver à la maison. Les oreilles, on les mue, on les oreilles. Tellement de joie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Parce que la voix a dit, je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. Elle, quand il était là-bas, et puis le Seigneur a mis quelque chose dans mes mains. C'est quelque chose, vous pouvez sentir la chose peser. C'est quelque chose, je ne sais pas comment vous pouvez... La seule façon d'expliquer pour que vous saisissiez, c'est comme le magnétisme. Quand c'est venu, il a dit, c'est pour lui, qu'on va mettre ça sur lui. Il a mis ça sur tout son corps, comme ça, tout son être. Comme ça, à travers son esprit, son âme et son corps. Il dit que tu es prêt maintenant qu'on voyage. Oui, Seigneur. On l'a transporté, on l'a amené. Continue à nous raconter l'affaire là-dedans. Parce que celui qui vit ça, nous, je démasse la voiture, on part. C'est eux qui vivent la chose là dans eux. C'est dans eux. C'est tellement fort. Franchement, je ne saurais encore comment. Parce que d'après la conversation avec le Saint-Esprit et lui, il a mieux la chose de nous dire, mais moi, je vous ai dit que j'ai été déclenché d'une bouteille fermentée. Comme quand vous trouvez une bouteille, quand on l'a ça fait pouf. Franchement, je pouvais quitter ici, frapper le plafond et sortir. Je suis resté en genou toujours. Plus c'est là où il m'attend, plus en genou. Mais j'étais déjà debout. Et ton âme était comment à l'intérieur? Oh Seigneur Jésus, j'étais jusqu'à présent, je suis très ému et très joyeux en moi. Ce que tu as vécu à l'intérieur, c'est à l'intérieur de toi. C'est la première fois que tu vis ça, n'est-ce pas? La première fois, quand le frère a frappé là, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans les films qu'on fait des bombes explosées là, je ne saurais comment vraiment vous décapiter cela de telle manière que... Mais je me suis senti... Comment tu donnes toutes les choses aux gens qui ne peuvent pas nous expliquer? On veut comprendre comment ça se passe. Oui, moi, j'étais vraiment enfermé dans une bouteille. Il était question que je sois libéré. Le Seigneur m'a restauré. Je le loue et je le rends grâce. Alléluia! La fin est venue hier uniquement pour lui. Quand c'est sorti totalement, c'est allé totalement sur lui. Et jusqu'à présent, maintenant, il porte ça. S'il tend la main sur quelqu'un, là, ça va sortir comme ça, comme lui, aller sur la personne. Donc, il porte l'onction sur lui. Que Dieu te bénisse, mon cher. Que Dieu te bénisse. Va prendre ta femme, tu amènes ici là. Prends ta femme. Elle dit qu'elle s'est tournée, elle a vu sa côte à côté de lui. Et l'une des choses, avant que sa femme ne commence, l'une des choses qui est arrivée, c'est qu'il était dans la position de prière hier. S'il y a une fois où il a prié sans être désordonné, c'était hier. Et il y avait une femme ici pour qui on a prié sur ce qu'elle a vomi. Quand la femme a fait brrr, brrr, on a décrit, il s'est levé, il a reculé sa chaise, déposé à côté, continué sans regarder ce qui arrivait à la femme. Donc ça dit que la colonne était tout autour de lui. Parce que généralement, il y a les gens que quand ils vont prier, ils entendent. Mais du Seigneur, mon cœur. Tout ce que tu fais, c'est zéro. Donc, l'image que tu es en train de voir restera dans ton cœur, le film va continuer. Quand tu vas te baisser là-bas, le film de ce qui est en train de se passer là-bas, après tu vas dire,
Oui, Seigneur, merci pour ton cœur, merci pour ton cœur, merci pour ton cœur, merci pour ton cœur, merci pour ton cœur. Tu vois, Philostèque, lui, il s'est levé. Il s'est levé, il a porté sa chaise. Il dit que si tu tombes, c'est ton problème. Moi, chacun se cherche devant le Seigneur. Trop, c'est trop. La personne était à côté, il n'a rien fait. Et puis la colonne est venue, ça m'a attiré. Venez là-bas, que mets ça sur lui. Mets ça sur lui. Faites attention quand vous êtes dans sa présence. D'accord? Quand vous quittez, vous prenez des risques, vous buvez des poussières, vous êtes sous la chaleur pour venir là-bas. Vous venez, c'est pour Jésus. Vous ne venez pas pour que quelqu'un d'autre tombe vous observer. Vous venez pour votre expérience avec lui. Donc, ne venez pas perdre le temps en regardant quelqu'un pour rentrer et dire que maman, il y a une maman à l'assemblée où elle a cassé les chaises. Ton problème, c'est quoi? Ce sont tes chaises. Elle a bavardé jusqu'à, elle a saccagé. Elle a fait que papa t'a tombé trois fois. Et ton problème, c'est quoi? Quand vous quittez la maison, Seigneur, je m'en vais te rencontrer. Quand vous entrez ici, vous êtes sous sa présence. C'est vous qui avez quelque chose dans le cœur que vous voulez vers lui. Demandez-lui. D'accord? Alors, bonsoir, Madame Josué. Bonsoir. C'est pas très bon en témoignage parce que j'ai un peu... On voit ça même derrière sur ton mari. Un peu timide. Mm-hmm. Bon, c'était pour hier. Pour hier, là. Pour hier. Quand le frère est venu, première fois qu'il a d'abord prié, il m'a touché. Oui. Mince. Je sentais d'abord les crampes. Pourquoi tu dis d'abord que mince? Quand il a touché d'abord, mince. Tu ne voulais pas qu'il te touche? Je voulais, frère. Et comment tu dis encore mince? Parce que c'était fort. J'avais d'abord les crampes sur les pieds, oui. Sur les mains. Donc il y avait un peu une peur. Mon cœur battait plus vite. Que non, sa comme main là si n'est pas normale. Comme si j'avais peur. Oui. Après, je me suis, comme j'étais d'abord assise, je me suis mise maintenant à genoux. Que maîtrisons-nous un peu. Parce qu'il peut rester à genoux là, comme ça, là, ça m'amène, n'est-ce pas? Et continuer toujours la prière. Mmh. Que le frère demandait qu'on fasse. Continuer toujours. Mmh. Après, il est venu encore, il a mis. Je comprends seulement comment il dit que ça tire, ça vient. Donc j'étais seulement à terre. Après, je comprends seulement. Ne fais plus. Tu retournes en arrière. Ne rentre plus en arrière. Ne rentre plus en arrière. Ne rentre plus en arrière. Et Dieu, c'est maintenant que non. J'ai compris, j'ai compris. Je vais dire, je vais dire. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Je ne ferai plus jamais ça. Ça fait que toujours me dire, ne rentre plus en arrière. Tu rentres en arrière. Ne rentre plus en arrière. Ça fait que tu me dis, je vais dire. C'est ton mère là qui me tue dans le témoignage. J'ai compris. Parce que je n'ai jamais. Depuis aussi, c'est là, ce mois. Ça passait dans ton corps. Dans ton corps, ça faisait comment? Donc, ça faisait. Comme le courant te frappait. Comme c'était la peur. La peur venait. Entre temps, tu essaies de comprendre ce qui t'arrivait dans ta pensée. Le cœur battait. J'avais une peur. J'avais une peur. C'est comme si. Que la fesse peut tuer quelqu'un. Je devais m'arriver. J'avais peur que peut-être je suis en danger. J'avais peur. Danger spirituel. J'entendais toujours la voix là qui disait ne rentre plus en arrière, tu as fait les rentrer en arrière. J'ai compris, Seigneur, oui, il n'a plus rentré. Oui, arrête, non, j'ai compris. Après, c'est les mains, les crampes maintenant, ça a pris les mains, ça a pris les crampes, ça faisait comme le courant. C'était comme le courant, oui. Je comprenais même plus bien. Je dis que, mais, donc ce que j'entends souvent là, c'est aussi donc c'est absurde, applaudissons pour le Seigneur. Donc ce que tu entendais seulement, chacun parlait, ça t'a aussi pris. Oui, souvent parce que. Mon époux et moi, on est souvent dans les difficultés à la maison, les discussions, tout ça. Donc, hier, là, c'était vraiment la prière, était vraiment là. Prière du Seigneur, aujourd'hui, là, je veux ça. Tu veux ça, mais quand ça vient, tu crois que tu es en danger. C'est ça un paradoxe avec vous. D'avoir une peur, là. Oui. Je ne sais pas d'où vient la peur, là. Donc, il y a moins de choses. Même quand c'est le bien, j'ai toujours que peur. La peur vient seulement. Oui. Seulement, Seigneur, aujourd'hui, là, pardon. Le courant t'a bien frappé. Oui, maintenant, c'était les crampes. Oui. Ça prenait mes mains fort. Après là, tout va commencer. J'entends toujours la voix là, ne rentre plus en arrière. Oui. Ne rentre plus en arrière. Je sais vraiment que j'avais baissé. Même à la maison, j'avais baissé. C'est ça qui faisait les discussions à la maison. Oui. J'avais baissé parce que là où nous sommes arrivés là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Baissé, tout a baissé à la maison. Tout. Je ne sais pas comment. Et quand ça s'est calmé, quand tu es revenu en toi, tu as dit quoi? Tu as pensé quoi? J'ai seulement rendu que... grâce au Seigneur, que merci, qu'il continue seulement. Oui, et entre temps, tu t'es tourné, tu as vu ton mari. Oui. Tu as vu que c'est chaud aussi sur lui. Non, pour lui, je n'avais même pas vu. Tu ne savais même pas qu'il était dans son sagacité. Mais il y a un moment que j'ai entendu sa voix. Après, la voix est partie. J'attendais maintenant que ne rentre plus en arrière. Tu étais seulement dans la ne rentre plus en arrière. Tu as dit que oui, Seigneur, je ne rentre plus, j'ai compris. Je vais seulement avancer. Je rentre en arrière. Aujourd'hui, la merci Seigneur. Je commençais là tout. Tout, mais la peur. Je ne sais pas, la peur là, il faut que toujours. C'est toujours là. Tu as peur que.
Dis-nous alors, et quand vous êtes rentré, vous a dit quoi? Il m'a demandé comment ça s'est manifesté. Je lui ai dit. Il m'a dit que oui, quand je suis tombée sur lui, il a senti. Et le moment qu'il est tombé sur lui, c'était le moment qu'il priait pour moi, en disant que Seigneur, touche le cœur de mon épouse. Que ça ne me touche pas seul. Il touche le cœur de mon épouse. C'est le moment que je suis tombée sur lui, qu'il a aussi senti. Il a senti une partie de moi en lui. Ça, alors, c'est clair. Il a aussi raconté ce qui lui est arrivé. Oui, il m'a aussi raconté. Ça, alors que j'ai rendu grâce au Seigneur, que même si Seigneur, comme tu nous as dit, oui, que fais toujours davantage. Merci. Tu dis qu'il fait davantage. Mais que la peur, là, que ça vienne là, ça part. Que la peur ne soit plus là, n'est-ce pas? Oui, ça ne soit plus là. Mais qu'il frappe encore avec le courant, il faut que le courant frappe. Non? Il fait comme il veut. Ah. Mais moi, je veux seulement être dépouillé. Dépouillé. Que Dieu te bénisse, d'accord? Amen. Embrasse ta soeur-ci. Embrasse-la. Ah, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Applaudissons pour notre Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qui d'autre a été visité supernaturellement ici hier? Par la qualité que je voulais partir, je rentrais l'autre jour, on a voulu prendre mon téléphone. J'ai caché ça, Jésus m'a rendu invisible, mon téléphone n'est pas tombé. Non. Qui d'autre? Qui veut parler? Regarde quelqu'un, dit témoin. Pourquoi tu n'as pas parlé en dernier lieu? Qui d'autre d'abord? Regarde quelqu'un, dit témoin. Dis, parle, on quitte sur ça. Parce qu'il faut qu'on finisse, on parle dans le... Peut-être le Seigneur veut qu'on prie encore. Il faut qu'on prie encore bien. Hein? Ok, viens. Voilà. Applaudissons pour... D'après, elle est là, quelque chose dit que t'es... Parle. Elle, son cœur, elle dit que non, on ne me connaît pas ici. Qui la connaît? Vous la connaissez? Oui. Hey. Oui. Tu la connais, hein? Wonderful. Vous connaissez ici? Bonsoir, Pépé. Bonsoir. Bon, je suis arrivée hier pour la première fois. Voilà, en regardant la fille, on dit que témoin ne veut pas témoigner. Ceux qui témoignent sont. Regarde la petite fille, tu vas voir. Je suis arrivée hier pour la première fois. Moi, c'est la sœur Karine. Voilà la prière. Vraiment, j'ai été vraiment touchée. Parce que je suis venue avec le cœur lourd, chargé. Avec beaucoup de tristesse, de frustration dans mon cœur parce que j'ai connu le Seigneur, j'ai marché, je suis allée par-ci, par-là. J'ai demandé au Seigneur, voilà, toutes les situations que je vis. Seigneur, fais un geste pour moi. À chaque fois, c'était toujours la stagnation, les limitations. Peu importe ce que je faisais, rien n'avançait. J'avais le cœur lourd. Alors, une soeur amie m'a dit, mais je ne suis pas au pays, mais va chez le frère Julien, qu'est-ce que tu... Il faut y aller avec Jésus, ta soeur. Jésus qui est par là-bas, Jésus passe là-bas. Il faut y aller avec ta soeur qui est malade, vas-y. J'ai dit, non, il est temps que j'aille là où le Seigneur est là. Puis j'ai suivi les enseignements sur YouTube, j'ai dit, je me suis levé le matin, j'ai dit, ce soir, faut que j'y aille. Que ça ne se passe pas comme ça. Que ça ne se passe pas comme ça. Je suis arrivée le soir. Quand le frère est entré, j'ai dit que merde. Allez. Chacun dit seulement que merde. Et que le frère est entré, merde. Vous ne voulez pas me voir ici? Que le Seigneur est dans la maison aussi. Parce que dès qu'il s'est approché de moi, c'est comme si... Il y avait le feu. Se levait sur moi. Le feu montait. Je suis restée. Quand il s'approche, c'est comme si je ne sais pas, comme si tous les ténèbres qui sont chez moi commençaient à bouger. Applaudissons pour le Seigneur. À un moment, quand on a commencé à prier, il a dit que ceux qui ont les chaînes, les chaînes sont au pied. Mais c'est comme si. En réalité, elle était enfermée. Donc, dans sa femme, dans leur famille, toutes. Les enfants, filles, sont enfermés et enchaînés dans les cages. Et le Saint-Esprit dit que toi qui es dans les cages, que le cadenas saute, boum, ça l'a libéré. Amen. J'ai senti comme s'il y avait quelque chose autour de mes pieds là, dont je n'avais même plus à me maîtriser, je ne sens. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc ça a déclenché comme ça.
qui n'arrivait, je ne me contrôlais plus. Et puis, j'ai senti comment le Seigneur a fait monter. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai ressenti un apaisement dans mon cœur. Et pendant ce temps, le Seigneur me disait que calme-toi, aie la paix du cœur, je prends tout en charge maintenant. Amen. Que tu sois et te bénisse, d'accord? Maintenant, tu es libre. Tu es libre de ces chaînes-là, d'accord? Qui d'autre? On chante un peu. Ton nom. Non, viens d'abord, mon cher. Viens. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un de témoigne. Si tu sais que quelqu'un, si tu sais que le Seigneur fait quelque chose pour toi, témoigne. N'accumule pas. Pour une plus tard, que pour l'autre 21 jours, là, pour hier, et pour les 3 jours, pour les 4 jours. Déchargeons-nous maintenant, d'accord? Amen. Mm-hmm. Ça va, mon frère? Ça va. Très bien. Shalom, shalom. Shalom. Ah, je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille, parce que depuis le premier jour de ce programme, si le Seigneur m'a visité. C'est comme si c'était ton programme. Comme si c'était mon programme. Mm. Même les programmes tous les jours. Ce sont tes programmes. Il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur fait dans ma vie. Mm. Mais je te demande toujours pour hier. Oui, parce que. Hier, quand j'étais là, quand je priais, je suis arrivé ici, j'avais fait presque une heure de temps au sol avant que les gens même n'arrivent. J'ai prié et j'ai demandé beaucoup de choses et j'ai dit, Seigneur, c'est un peu de trop. Mm. Parce que j'ai remarqué que je ne parviens pas à réaliser quelque chose. Mm. Quand je veux faire quelque chose, c'est un mur, oui. Même quand je parviens à travailler, je parviens à avoir l'argent, je garde peut-être, je dis, voilà, c'est un gars, mais il fait quelque chose arrive toujours que ça se cadre, je ne parviens pas à réaliser quelque chose. Mm. Je dis, Seigneur, vraiment, c'est du trop. Ça en est du trop. Et pendant qu'on priait là, le frère est passé, il m'a touché une fois. Là, avant qu'il me touche, même déjà, je ressentais une présence qui montait sur moi. Quand il y a parlé même des chaînes, il sentait comment quelque chose se passait sous mes pieds là. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Quand il est venu, il m'a touché. La deuxième fois qu'il est revenu, il a mis ses mains sur moi, il priait pour moi. Mais la troisième fois, justement, c'est juste parce qu'il y a une parole qui est sortie. Il a mis ses deux mains sur mes deux oreilles. Il a dit, jeune garçon, sois rempli de l'Esprit du Seigneur et que tout ce que tu ne parviens pas à faire, que tu parviens à le faire dès maintenant. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. C'est surtout pour cette parole que j'ai demandé. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette parole. Mm. Parce que j'ai vécu ce problème aussi très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. J'en ai parlé même avec le conducteur. Je ne parviens pas à réaliser quelque chose. Maintenant, tu as les capacités et l'habilité de le faire maintenant. Amen. Il faut mettre en action maintenant la vie de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qui doit dire à quelqu'un, témoigne. Témoigne. Dis témoin. Témoigne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Vous pensez qu'on doit travailler aujourd'hui dans la Bible, on fait quoi? Quelque chose ne va pas sur moi là maintenant. Il me semble vraiment bien. Mais tu veux quoi? Amen. Amen. Ah. Témoignons. Qui va témoigner? Qui va témoigner? Qui va témoigner? Qui se sent bien comme moi là? Vous sentez bien aussi? Vous sentez bien? Que le Seigneur vous bénisse. Viens, Amen. Viens donc, viens. Il s'est même coiffé, il est frais. Le frère Gildas. Bonsoir, Sandé. Bonsoir. Il t'a tapé hier, non? Tu t'as tapé. Il manque de respect pour son conducteur. Il t'a juste tapé, non? Il t'a bousculé. Très bien. Va demander pardon à papa Tanyalo. Tu l'as tapé hier, non? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Comment tu n'étais pas au courant? Patel, c'est pas lui qui a fait ça. Hein? C'est l'autre. C'est l'autre. Okay. Donc, faut qu'il nous explique tout dans les moindres. Je ne sais pas vraiment par où commencer parce que. Commence au commencement. Hier, j'étais là en train de prier comme tout un chacun. Et du coup, je me rends compte que je suis un très bon Dieu. Comment tu as de prier, tu te rends compte que tu as de le bon Dieu, tu deviens le ballon. Moi, je ne comprends pas comment ça se passe. Mm.
même jusqu'ici, ce n'est pas encore... Tu réfléchis, ça ne te vient pas bien. Non, je fais toujours les choses que je ne comprends pas. Donc c'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. C'est tout à l'heure, quand on était en train de prier, là, je me rends compte que ma main est en train de secouer, je ne sais pas pourquoi. Tu ne veux pas demander que pourquoi tu fais ça? Bon, dis-nous concrètement, hier, pourquoi tu voulais taper les anciens? Tu disais bagarrer, taper. Oh, il y a le frère Jules là. Racler le frère Jules, le frère Jules est tombé, soulever les pieds comme ça. Tu as dit que tu ne dois plus, tu veux plus le voir dans l'assemblée ici. Que trop, c'est trop. Non, tout ce qui est entré dans mon cœur, c'était que Seigneur, plus de toi en moi et moins de moi. Et tu racles les gens avec plus de toi en moi, moins de moi. Comment tu fais donc pour racler les gens? Je ne suis pas vraiment au courant de ça. Il n'est pas au courant. Bon, ça veut dire qu'il peut nous aider, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Bataille, viens alors. Il n'y a plus personne, non? Viens. Bonsoir, peuple du Seigneur. Bonsoir. Je ne sais pas. En réalité, l'homme de Dieu m'a choisi pour prier pour la jeune sœur. C'est vrai qu'avant ça, pendant que je priais, il m'a touché plusieurs fois. Et à un moment donné, je suis allé prier pour celle-là, la sœur-là. Et après, il m'a dit non, viens par ici, puisqu'il fallait mettre la jeune sœur au milieu pour qu'on prie pour elle. Nous étions donc quatre autour d'elle et nous avons prié à tour de rôle. Et donc, à un moment donné, il est venu à côté de l'homme de Dieu, à côté de moi, et il a arrêté ma main. Je sentais une vibration dans ma main, comme il arrêtait, et par intermittence, donc il frappait sur elle. Donc, il arrêtait mon poignet, et après un temps, il frappait sur elle, ainsi de suite. Alors, à un moment donné, j'ai senti comment de mes pieds déjà, il y a une vibration qui partait déjà de mes pieds. Il a continué à frapper peut-être deux fois pendant que j'entendais la vibration. Et c'est à la troisième fois que je n'ai pas pu me retenir justement par un grand papa t'a comme ça là. On a de frapper sur les gens, ça t'entraîne toi. Je ne sais pas comment c'est passé. J'ai seulement entendu quand il était au centre que si on ne peut pas compter sur lui. Est-ce qu'on pouvait compter sur lui alors? Est-ce que vous savez ce que c'est tout ça? Que Dieu vous bénisse, d'accord? Amen. Et quand tu étais au sol, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ton cœur, qu'est-ce que ça a fait? Donc, cette vibration a continué dans mon cœur. Ça a continué dans mon cœur. Et puis, la joie que j'avais. Parce que aussi, ça, c'est des choses que j'attends depuis aussi, de tomber plusieurs fois. Non? Tu attends tomber, tu ne veux pas tomber. Je veux pas tomber. Donc, hier, ça t'a fait tomber. Ça m'a fait tomber. Tu étais en joie comme tu es tombé. J'étais en joie. Que ça te bénisse. Levons-nous. Ton nom est la solution. Jésus. Écoutez ça. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton nom dit Seigneur. Ton nom nous donne la paix. Jésus. Ton Oh, no.
écoutez ça. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Dans nos combats, Seigneur, ton nom nous donne la victoire. Jésus, ton nom nous donne la victoire. Ton nom nous donne la victoire. Jésus. Alléluia. Ton nom nous donne la victoire. Mets la main sur la femme ici. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Soutiens qu'elle fait pas. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Écoutez-moi, mais faites l'effort que votre main touche vos voisins avant qu'on chante. Touchez quelqu'un. Ton nom nous donne la victoire, Jésus. Chantez. Ton nom nous donne la victoire, victoire, Jésus.
victoire, Jésus.
Oh,
lâche son ventre. Nous donne la victoire. Amen, c'est ceci. Jamais dans sa vie. Tu lui as donné la maladie. Tout ce que tu as mis dans son ventre, que ça s'arrête maintenant. Toute douleur dans son ventre, son bas-ventre. Son bas-ventre n'est pas ton lieu de résidence. Maintenant, sors. Allez. Lâche-toi maintenant. Allez. Allez, allez. Lâche-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Pas maintenant. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son ventre. Quitte son ventre.
Allez. Quitte son ventre. Non. Allez. Non, nous allez. La victoire, Jésus. Il est. Son ventre, tu laisses son ventre là. Alléluia, la victoire. Jésus, Dana nous donne la victoire. Dana nous donne la victoire. Jésus, Alléluia. Dana nous donne la victoire. Dana. Sois dans ton cœur. Toi, libère son ventre. Maintenant, tu ne la dérangeras plus jamais, ni sa famille. Jésus, donne-nous la victoire. Jésus.
Thank you.
servira le Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez plus le bloquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détaché, 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 détaché. Tout obstacle à ton avancement est brisé maintenant. Merci Père. Brisé maintenant. Brisé maintenant. Brisé. Toute chaîne est brisée. Toute chaîne est brisée. Toute chaîne est brisée. Alléluia. Toute chaîne est brisée. Brisée. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu serviras le Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit. Et rien ne peut empêcher ceci. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton cœur soit renouvelé, ton esprit soit renouvelé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit saisisse ses cœurs et nettoie toute ténèbre. Toute ténèbre. Toute ténèbre. Et appelle à disparaître. Que la lumière soit dans ton être maintenant. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les visions du Seigneur te soient accordées maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est son temple. Tes yeux n'en résisteront plus rien d'impur. Que tout ce qui est impur, qui soit entré par ses yeux, soit nettoyé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci Père. Merci pour le nettoyage. Merci Père pour les chaînes qui tombent. Merci pour la restauration. Merci Père de gloire. Merci Dieu de gloire. Merci Père. Ténèbres.
conversation avec elle, elle s'ouvre. D'accord. En fait, d'abord la conversation. Elle a même pas dit. Oui, fais-la se lever, ça soit pour moi. Fais-la se lever, fais-la se lever. Oui, vas-y, 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 vas-y. Jésus, pour la grâce et je suis là.
tape, tape.
Le nom de Jésus libère les captifs. Amen. Le nom de Jésus est tout-puissant. Amen. Le nom de Jésus remplit de puissance. Amen. Le Seigneur Jésus nous remplit de sa puissance. Amen. Il renverse les pièges de l'ennemi. Amen. Il disperse nos ennemis. Amen. Il disperse les persécuteurs. Amen. Il disperse les ennemis envoyés contre ces lieux. Amen. Il disperse les montagnes dans les lieux élevés. Amen. Il renverse les chemins de Baca. Amen. Le Seigneur Jésus comble nos vallées. Amen. Il renverse les jours de l'ennemi. Amen. Il chasse l'esprit des sorcelleries. Amen. Il brise les chaînes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue à applaudir pour le Seigneur. Continue à applaudir. Continue à applaudir. Le Seigneur Jésus est tout puissant. Applaudissons, applaudissons, applaudissons pour lui. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Continuons, continuons, continuons. Il mérite nos acclamations. Il mérite toute acclamation. Le Seigneur Jésus est digne de louange. Digne d'adoration. Digne de notre adoration. Digne de notre acclamation. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus est puissant dans ta vie. Amen. Dans la vie de ta famille. Amen. Dans ta santé. Amen. Dans tes affaires. Amen. Dans tes projets. Amen. Il brise les mains de ceux qui bloquent tes projets. Amen. Il renverse le destin des méchants dans ta vie. Amen. Il brise l'ennemi qui te poursuit. Amen. Il restaure ton chemin. Amen. Le nom de Jésus est tout puissant. Amen. Le nom de Jésus est glorieux. Amen. Le nom de Jésus est magnifique. Amen. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Glorifiez notre Seigneur. Amen. Adorez-le par vos louanges. Chantez-lui. Glorifiez-le. Dites-lui merci. Dites merci au Seigneur Jésus. Dites merci au Sauveur. Ouvre ta bouche et dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi et pour ta famille. Merci pour ta réception. Merci parce que tu délivres les captifs. Parce que tu restaures les chemins. Parce que tu traces un nouvel chemin pour nous. Merci parce que par nous, tu visites nos familles. Parce que tu ne nous as pas oubliés. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci pour la maladie, les maladies que tu chasses en nous. Merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Continue de lui dire merci. Il en est digne. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Il est digne de tes acclamations, digne de tes louanges, digne de ta adoration. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Le Sauveur, le Rédempteur. Nul n'est comparable à lui. Merci pour son esprit en ces lieux. Merci pour sa présence dans ta vie. Merci pour la restauration de ton cœur. Merci pour ce qu'il fait dans ta famille. Merci parce que ta vie ne sera plus même. Merci parce que les ténèbres disparaissent. Parce que la lumière véritable apparaît dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, son nom. Amen. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. L'ennemi croyait qu'il devait prendre ta famille en otage. Jésus-Christ de Nazareth, le soleil de justice, élève toute ta famille. Amen. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. 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 Il restaure toutes les voies que le diable avait détournées. Il brise toutes les chaînes que Satan avait attachées. Là où tu ne pourrais plus avancer, tu vas traverser facilement maintenant. Parce que son esprit t'accompagne. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Acclamons-le, il en est digne. Acclamons-le. Il est digne de notre acclamation. Alléluia.
Dis-lui merci pour sa présence dans ta vie. Dis-lui merci pour sa présence dans ta vie. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence dans ces lieux. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon cœur. Merci pour les dons que tu donnes. Merci pour les yeux spirituels que tu ouvres. Merci pour les songes et les visions que tu accordes à ton peuple. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour les bénédictions. Alléluia. Acclamez-le, acclamez-le, acclamez-le. Acclamez-le. Là où on avait dit que tu ne peux pas marcher, tu marcheras au nom de Jésus. Dis l'Esprit. Dis le Seigneur. Que l'honneur et la gloire ne soient jamais heureux. Remercie-le pour ce qu'il a fait pour toi ce soir. Je vous le dis, si vous savez ce que Jésus a fait pour vous, remerciez-le. Remerciez-le pour ce qu'il a fait. Seigneur Jésus, merci. Merci Père. Merci pour ce que tu as fait pour moi ce soir. Merci pour ton amour. C'est pas ton amour seul, oh Dieu, que tu déverses ton esprit dans nos cœurs. Merci pour mes frères, pour mes soeurs. Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Pour les chaînes brisées. Merci pour les vies que tu as restaurées. Merci Père pour la restauration. Merci parce que tu tiens nos mains entre tes mains. Et tu nous conduis dans la voie droite. Merci Père pour la restauration. Alléluia. Alléluia. Merci Père pour nos vies. Merci Père. Merci Père. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la loi, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Quand tu agis, qui oserait dire que c'est quoi? Pourquoi tu fais ainsi? Tu conduis toutes choses selon ton bon plaisir. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci Père. Je suis présent dans ma vie, Seigneur, merci. J'ai omniprésent dans ma vie, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Saint-Esprit dit qu'il a ouvert une porte que personne ne peut fermer dans nos vies. Merci Jésus. Personne ne peut fermer cette porte. La porte de la réussite et du succès. La porte de la réussite et du succès. C'est ouvert au-devant de ses enfants. Et personne ne peut arrêter cela. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. N'est-il pas bon? Ah, il est bon, Jésus. Seigneur Jésus, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Merci, oui. Que l'honneur te revienne. Que la gloire soit jamais pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon appétit, buvez la bouillie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La suite de cœur demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alléluia.